compliqué. L'eau elle est aussi claire qu'au bord. Tu veux la relever, Mimi? Je te l'allonge. Tiens, rapproche-toi, Victor, je vais rallonger la pagaie de Mimi. Tiens, attends. Hop. Et pense à un truc, une astuce, garde l'olive dans la main. En fait, dans la main, ça te servira toute ta vie. Pour le canoë, les sports de vie et autres. Ouais. Hop, il attrape Mimi. Bouge pas. Voilà, ça y est. On est accosté. Maintenant, vous êtes. Ok. T'es filmé, Victor. Moi, je suis filmé, là, ça marche. Ça marche. Ça a été. Oui. Ah ouais, là, fais le tour par la... Fais le tour par la gauche, tu vas la laisser. Fais le tour. Fais le tour par où? Des filles? Ouais. Comme ça, je peux y avoir avec la montagne. Voilà. C'est dur de tourner plus serré, je t'avoue. Si, tu fais la marche arrière de mon côté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est jamais l'heure d'aller. C'est pas hyper efficace. C'est l'heure d'aller. Pas de frissoir. Moi, j'essaye d'avoir les jambes les plus molles possible. C'est vraiment mignon, Annecy. C'est un vrai petit charme. Ouais, c'est... Et je trouve que le paddle te donne une liberté pour aller découvrir, voir sous des angles. Tu vois, tu comprends mieux ce que je te disais, en fait. C'est... Ouais, oui, oui, c'est clair. Et on est tout seul, en fait. Ça ressemble à... C'est un peu le FPV. Non, mais c'est quoi à dire, mais tu voles loin pour profiter d'eux. Tiens, t'as pas acheté le Powerray? Le sous-marin? Non, j'ai pas d'usage. C'est cher, en plus. Quand t'habites ici, je comprends, si tu veux. Sur le bateau, je pense qu'on va être tenté. Hein. Oui. Tu sais, pour aller voir les épaves à 100 mètres. Non, mais tu verras rien de fond. T'as des gros spots LED, hein. Ouais, il faut les grosses LED, quoi. Sinon, t'es vraiment... T'as vu le nid d'oiseau? Oui, c'est le matelas, parce que sur le matelas, le truc est bien gonflé et raide. Tu mettais ton vélo avec une sangle par-dessus ton vélo. Tu attachais ton sac à dos qui soit mettre dans le sac poubelle pour qu'il soit étanche. Et là, on a remonté la Saône sur 1,5 km. Et la sangle était fondamentale parce que la sangle, tu l'attachais autour de ton buste pour tirer le matelas gonflable sur lequel il y avait le vélo et le sac à dos. Tu t'emballais ton vélo sur le matelas gonflable. Et il y avait 1,5 km à contre-courant.